dans un nouveau vlog. Voilà, je vous prends après avoir déposé les garçons à l'école. Moi, j'ai petite puce qui me suit partout. Elle appelle son père. Il est dehors parce qu'en fait, il a ressorti les papiers. Donc oui, je disais, il y a une entreprise qui est là pour... oui, ma puce. Pour faire l'isolation du plafond, du sous-sol et du mur du garage qui est mitoyen avec notre maison. Pour isoler tout ça. Pour 1 euro, enfin 1 euro chacun, donc c'est aujourd'hui qu'ils font ça. À mon avis, ça va prendre la journée, enfin, je pense, parce que vu tout le travail qu'il y a à faire. Bon, il y a une partie qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'on a nos tuyaux de la douche et tout ça qui passe au plafond. Et ça, ils ne mettent pas dessus et je comprends au moins comme ça. Au moins, ils nous l'ont dit au lieu de... Parce que l'autre entreprise, c'était je mets, si ça casse, tant pis pour vous. Que là, ils disent, on ne peut pas mettre, on met partout où les murs sont vides. Mais là où il y a les tuyaux, on ne met pas. Donc, en fait, on aura une isolation sur une grosse partie, mais il y a une bonne petite partie où il y a les tuyaux, ce ne sera pas fait. Oui, ma puce, c'est beau. Il a bien dessiné, Maxence. Regardez. Comme ça, elle est contente. Et donc, c'est aujourd'hui, le seul jour où papa est à la maison, ben, on a les travaux. Oui, la puce. C'est comme ça, voilà. Elle veut absolument vous montrer. Hein. Et vous avez vu comment j'ai habillé une petite salopette robe. Là, je lui ai rien mis, il y a juste une petite culotte. Il fait tellement lourd aujourd'hui que je la laisse habiller comme ça. D'ailleurs, je vais un peu ouvrir parce qu'il fait lourd, mais il y a un petit brin d'air et ça peut pas ouvrir la maison. Faire des petits courants d'air, ça ferait pas de mal. Je vous montrerai tout ça quand ce sera fini. Alors cette fois, on n'est pas passé par Pacte Énergie Solidarité parce que le produit qu'ils nous proposaient ne nous plaisait pas. C'était du flocage. Donc en fait, c'était contre le mur, contre les tuyaux. Et comme je disais, si ça cassait avec l'eau, bah, c'était mort. Donc on est passé par un autre truc, je ne sais même plus le nom. J'arrive pas à me souvenir. Et en tout cas, eux, ils posent des plaques. Donc, c'est ce qu'on a voulu. Et vous voyez la puce derrière? Non, mais tout le temps. Elle me monte là-dessus. Papa, il est dehors. Tu vas pas trop le voir aujourd'hui au final. Parce qu'il va rester avec eux, déplacer les gros meubles qu'on a dans le sous-sol, le congèle, le canapé qui traîne, l'ancien canapé. Enfin, tout plein de trucs pour qu'il puisse bosser tranquillement. Donc voilà, le programme de la journée. Hein. Bon, ben là, je vais prendre la voiture, changement de programme. Enfin, on a toujours une entreprise qui est en train de travailler à la maison. Mais les cartons qui me restaient de ma table... J'ai déjà mis ma ceinture. Salomé m'a dit que c'est bon, elle pouvait les prendre. Enfin, elle en avait besoin, donc je vais lui emmener. Hop, je vais vous montrer. Les blindés de cartons. La petite fille, elle est cachée derrière. On a l'impression qu'il y en a sur elle, mais en fait, pas du tout. C'est juste que ça tombe au niveau de ses pieds. Et puis, j'en ai plein le coffre. Donc voilà, Salomé, j'arrive. On est bien arrivé chez Salomé, elle a récupéré les cartons. Les petites puces s'amusent là, à souffler dans les jeux. Et nous, on se boit un petit thé, un petit café avant de rentrer à la maison. Tu t'amuses bien, ma puce? J'avais un problème d'exportation quand je suis partie chez Salomé. J'étais toujours à 8% alors que j'ai lancé ce matin. Au réveil, oui ma puce, donc bah j'ai arrêté, j'ai relancé, là c'est beaucoup mieux, il reste 28 minutes, je suis à 33%, je sais pas ce qui s'est passé, c'est comme si en fait il avait pas capté qu'il n'y avait plus internet alors qu'il disait qu'il y avait internet, mais bon, donc normalement ce sera à l'heure, il n'y aura pas de problème, oui ma puce. Donc là on a toujours l'entreprise qui est en train de travailler, j'ai été voir le travail, c'est quand même bien. C'est mettre l'isolant sur les plafonds. Donc, ah ouais, il y a des endroits, les tuyaux sont vraiment bien penchants. Donc, c'est là qu'il ne faut pas. Mais c'est pas grave, c'est vraiment qu'une toute petite partie. Et ça correspondrait, je dirais, juste en dessous de la salle de bain, à peu près. Ce qui n'est pas très grave, je pense. Puis tout ça pour 1 euro. Parce que je crois qu'en fait, le garage, le mur du garage et le mur du sous-sol, ce sera... 1 euro, donc c'est vraiment bien. Il faut vraiment que je retrouve le nom du truc pour que je vous le dise et que je mette l'info en barre d'infos, quoi, le lien. Je vais chercher ça là sur internet, j'ai du temps, vu que j'y vais, il reste avec eux. Moi je m'occupe de la puce, qui crie partout, qui est toute contente, je ne sais pas pourquoi. Mais elle s'amuse encore dans la caisse là, dans la caisse de linge. Elle se met dedans, elle sort.
Elle tombe avec. Il n'y a rien, rien ne lui fait peur à celle-là. Hein. Il fait une chaleur. Je crois que, vous voyez, j'avais mis un manche long. J'avais l'impression qu'il faisait chaud. Mais en fait, je vais me changer, je pense. Et me mettre un petit débardeur parce que j'ai chaud. Voilà, un truc de fou. Tu veux que je l'ouvre? Hop. Voilà. Oui. Alors ça, elle adore. Les jeux Pico, c'est vraiment son truc. Hein, ma puce? Oui. Elle adore se voir à la caméra. Bon, nous, on va chercher les garçons à l'école. J'emmène la puce, vu que papa, il reste beaucoup avec l'entreprise. Elle va plus le gêner de l'avoir dans les pattes. Donc, hop. Désolée, si ça bouge, je la prends avec moi. On va chercher les garçons? Oui. Voilà, ils ont terminé le sous-sol. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà ce qu'ils nous ont mis. Alors attendez, je descends. Des espèces de poches d'alu pleines de mousse dedans. Ils sont vachement épais. Donc ils nous ont fait tout le plafond, comme vous pouvez constater. Donc là, c'est quand on descend. Et puis après, ça descend. Et puis ça va jusque là-bas. Alors attendez, je vais allumer. Donc tout là. Notre mini cave, on va dire. Hop, je trouve la lumière. C'est fait aussi. Donc c'est ce que je vous disais, à cause de nos tuyaux de douche et de cuisine, tout ça, c'est pas fait ici. Mais tout le reste, c'est tout fait. Tout partout. Là, c'est notre cave. Hop, je vais vous allumer. Ça a été fait aussi. Donc la chambre d'Andrea, en fait, elle est juste au-dessus. Donc elle prenait vachement de froid d'ici. Hop. Et notre petite salle d'eau qu'on a en bas, pareil. Tout a été fait, sauf au-dessus de la douche, bien sûr. Mais vraiment tout fait. Et là, ils sont en train de faire les murs du garage. Et les enfants, ils regardent, ils sont à fond. Coucou! Ils devraient s'arrêter à peu près là parce qu'ils doivent isoler. Enfin, ils doivent. Ils isolent la maison, pas le sous-sol. Donc voilà comment ça fait. Tout ça pour 1 euro. C'est vraiment bien. Alors on se demande si on va pas faire un faux plafond pour cacher tout ça, mais moi ça me dérange pas que ce soit comme ça, mais peut-être un faux plafond, pourquoi pas. Comme ça, ce sera fini. Voilà, notre mur du garage mitoyen avec la maison, c'est terminé. C'est vraiment super bien. Alors ils isolent, comme vous voyez là, c'est pas fini en bas, parce qu'en fait ils isolent la maison et pas le sous-sol, donc ils s'arrêtent à ce niveau là donc là ici c'est notre chambre. Et là, ici, c'est la chambre d'Andrea, de ce côté-là. Donc, ça va être super. Et Andrea, il fait toujours frais dans sa chambre. Là, ça va être mieux. Coucou! Bon, moi, je vous prends en voiture. Il est 4h28. Je vais en direction de l'école chercher les garçons. Et juste après, j'ai rendez-vous à la mairie de chez moi pour vendre... C'est quoi déjà? Un petit pull Vinted. On m'a pris... Oh, j'adorais les enfants. Ce pull-là, là, en 2 ans. Chez Kiabi, on l'avait acheté. Il est trop beau, ça fait trop bizarre de s'en séparer. Mais bon, ça me fait de la place dans la maison et c'est le principal. J'en ai plus besoin de ces vêtements-là, donc autant les vendre. Mon lien de Vinted est en barre d'infos si ça vous intéresse. Il y a des vêtements, surtout des garçons. Parce que pour Andrea, je donne beaucoup à ma sœur. Parce que ma nièce a que quelques mois avec Andrea, donc c'est ce que je fais. Donc on va faire ça, puis après on va vite rentrer à la maison. De toute façon, il fait pas beau, alors traîner dehors, pour traîner dehors, ça vaut pas le coup. Hein. Et 1, et 2, 3 Et 2, 1, et 2, 2 Tu vas te faire mal à taper comme ça contre le canapé. Ah bah là, cette fois, papa, il a rien fait. J'ai rien fait, je comprends pas. Tu fais comme Maxence, la puce? Vas-y. Et de 1, et de 2, et de 3. Oh,
elle a compté. Elle a dit un deux. Ouais. Faut descendre la puce, faut descendre. Descends, descends. C'est chacun son tour la puce. Vas-y ma puce. Tu comptes? Ouais. Non mais vous la voyez celle-là? Toujours en train de monter dessus et regarder par la fenêtre. Toujours. N'importe quoi ma pupus. Ben oui, on fait pas ça. Il n'y a pas de gâteau de l'autre côté. Hein. On entend l'église? On entend les cloches? Il est 19h. Et on entend les cloches. À la télé, on a mis N'oubliez pas les paroles. Maxence, il aime bien. Ça fait de la musique, il danse un peu. Bon là, ils sont tous les deux en mode je regarde dehors. Papa a été chercher McDo pour tout le monde. Les Happy Meal des trois, tous nos sandwichs, toutes les boissons. Ça fait toujours beaucoup hein, quand on est 5. Hein. Tu t'installes la puce? Elle a piqué une frite. Assis-toi la puce. Voilà. Choupi se promène dans la forêt. Choupi demande à sa maman. Il y a plein de choses. Fais très attention et observe bien. Dit Choupi. Alors, il entend deux oiseaux qui chantent. C'est le merlin et le rouge-gorge. C'est pas le merlin, c'est le merle. Le merle et le rouge-gorge. Ce soir, dans le cahier de Maxence, il y avait ça. C'est une petite fiche qui dit ce qu'il faut emmener pour le CP. Déjà, ça fait trop bizarre. On a même la rentrée et l'heure de rentrée. Ce qui va être compliqué, parce que je suis toute seule ce jour-là. Il y a Amaury et Maxence qui doivent rentrer à l'école à la même heure. Pas dans la même école. On verra bien comment on va faire. Et ce qui est bien, c'est que l'association de l'école, il prépare des feuilles de commande de fourniture à pas cher du tout. Et ça évite d'aller tout faire dans les magasins. C'est vraiment super ça. Donc je vais m'atteler ce soir à remplir ça et à faire ma commande. Comme ça, ce sera fait. Ouais, j'ai que dans les deux sens. Donc voilà. Donc moi maintenant, je vais vous laisser ici. Il est 8h30, oui 8h30, tout le monde est au lit. Moi j'allais monter mon vlog et être tranquille ce soir, je sais même pas ce qu'il y a à la télé. Peut-être qu'on va se regarder, on a réussi à retrouver les épisodes de Roswell comme il faut. Parce que la dernière fois on était arrêté à la saison 2 épisode 7 et ça ne marchait pas, on n'arrivait pas à la voir. On avait que des pubs et pas l'épisode en lui-même. Et là maintenant ça marche, donc on est content, hier on s'est regardé deux épisodes. Peut-être que ce soir on va s'en remettre, on verra bien. Donc moi je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous, je vous donne rendez-vous demain dans une nouvelle vidéo. Et si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner, ça fait très plaisir. À demain, bye bye.